Et le vendredi 4, 1, et ben la 2. Dans ma partition de la vie, tu sais, ça fait sol, la, si, do. T'as l'intervalle, il est au même endroit. Tu sais, entre mi et pa, entre si et do, il y a juste un demi-ton. Donc, oh, ça va, chef? Salut, ça va? Ouais, tranquille. Pleine prophétie. Alors, sol, la, si, do. Et ré, mi, fa, sol. Pour l'octave. Chaque semaine, tu montes ta rang dans l'esprit. Tu t'avances dans l'esprit chaque semaine et tous les 7 ans, tu sors de Ivan Panovitch, Ivan Panin. En fait, ça explique quoi? Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, 7 jours de la semaine, les 7 notes de l'octave, c'est le saut des 7. Voilà. Tout est 7. Pour faire un zozio, il faut 7, 14, 21 jours, ainsi de suite. Pour faire un bonhomme, il faut 240 fois 7. Pour tous les trucs, c'est des multiples de 7. Toujours. Alors. Le problème, c'est que les miracles, on ne peut plus les faire à cause des satellites et de la pollution électromagnétique et tout ça. Sinon, c'est quand tu dors que ça se passe. Interdire la télé, je sais pas, le soir, avant de dormir. Déjà pour retrouver un esprit de famille. Il y en a marre de superficiel, il y a trop de fictifs au mètre carré, de la vie, de tout, du boulot, de tout. Donc ceux qui font rien, qui font pas de conneries, ben moi je fais plus rien du tout. Je ne cotise plus pour payer le coiffeur à Macron ou le truc comme ça. Voilà, c'est tout. C'est depuis 2011 que je suis en grève. Je suis marié en 2009, je crois que j'allais rassembler les peuples et tout, les religions, les machins et tout. Bon, bah ça porte tout le temps, c'est pas grave. J'ai 10 ans de télé éternelle, ce n'est 6 mois et 7 jours de chef d'état d'âme. Après 49 ans, 7 fois 7. Ah, c'est mathématiques quantiques. Béjour, monsieur Vincent, béjour. Envoyé spatial, portée éternelle. Le retour du Jedi. Putain, de lance-pierre avec des têtes d'ail sur la photo à Macron. Moi, j'ai fait des rêves ce matin. Et... Ouais. Georges Lucas en bavoir, Besson en string. Spielberg en bavoir. Non, en Bavière, non, Spielberg. Ouais, ce que tu veux, en espadrille. Et Bill Gates en tongs. Voilà. Comme ça, puis c'est tout.